Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, Louisanne en live avec vous en ce mois d'octobre 2020. Alors, un live où nous allons s'engager dans un mouvement auquel je vais vous inviter ce soir. Alors, vous vous engagerez si vous avez envie de vous engager, mais ce soir, je vais vous faire une invitation. Je viens vous solliciter, je viens vous allumer peut-être à un projet commun que nous pourrions avoir tout le monde ensemble. Donc, je vais attendre voir que vous vous connectiez avec moi. Venez me faire des bonjours, des coucous. Il est 20h pile et je vais voir, je ne sais pas si je vais admettre ma chatte dans le live ce soir. Alors, OK, les gens se connectent. Daniel, Denise, allô, Claudine, Stéphania, Pascal, Caroline, Mélanie. OK, c'est parti. Lana est là, Sylvie. Bon, alors voilà, Karine. Deux Karine, l'une après l'autre. Bienvenue tout le monde. Bon, alors là, c'est parti. On est vraiment plusieurs qui se connectent en même temps. Alors, bienvenue dans ce live presque improvisé. Je ne savais pas en me levant ce matin si j'étais pour venir vous rencontrer en live. Et rendu à l'heure du dîner, c'était clair que je venais vous rencontrer en live. Je vous fais un petit live ce soir. Je vous fais un live beaucoup plus rapide, hein, du moins, je l'espère, que d'habitude. C'est mon intention d'être plus concise. J'ai vraiment un objectif très précis pour vous ce soir. Donc, bonsoir tout le monde. Allô, alors là, j'en ai manqué plein qui sont arrivés. Là, je suis rendue avec Suzanne, Manon, Cynthia, Sylvie. Ça descend, là. Vous êtes déjà plus de 100 en ligne. Mina, je l'ai annoncé très, très tard qu'il y avait un live aujourd'hui. Oh, t'es dehors avec entouré d'arbres. Oh, surtout les grands pins. Les pins sont mes arbres favoris, autant à l'allure qu'à l'odeur. Y a-t-il quelque chose qui sent bon comme un nid d'aiguilles de pin, un lit d'aiguilles de pin? C'est extraordinaire, j'adore ça. Donc, chanceuse. Alors, un beau bonsoir à tout le monde qui vous connectez. J'en profite pour dire aussi un bonjour aux gens qui me réécoutent sur YouTube. Il y a de plus en plus de gens qui me suivent sur YouTube. Donc, un beau bonjour à vous tous aussi. Ce soir, on s'en va. André, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, c'est génial de te revoir, surtout en sachant à quel point tu es occupé, Thorez, André. Occupé n'est pas tout à fait le bon mot. Je commence ma cohorte de kiné. Ce samedi, j'ai le festival des réunions une après l'autre, de la planification, de l'organisation dans la distribution de cartables. J'ai aussi ce lien de cœur avec vous. J'ai aussi ce lien d'engagement avec vous à se co-accompagner. Et j'ai fait un Zoom privé cette semaine, mardi soir, dans mon groupe de Cœur conscient édition spéciale, qui était rendu à sa sixième marche, je crois, si je ne me trompe pas. Et on m'a posé une question très importante sur les égrégores lors de ce live, de ce Zoom en privé que j'ai fait. Et j'ai dit à ce moment-là dans le Zoom, oh, c'est le thème que je voulais amener dans mon live de jeudi. Et là, je me disais, mais je leur ai dit, je suis pas sûre que je vais faire un live. J'ai un petit peu genre de la boue dans le toupette, mais ça paraît-tu? J'ai de la boue dans le toupette, j'ai de la boue dans le toupette. Ouh, du mauvais bord. Donc, c'est ça. Donc, et ça, ben, si, alors, mais on dirait que quand j'ai une idée dans la tête, là, c'est dur de me faire changer d'idée. Moi-même, j'arrive pas à faire moi-même changer d'idée. Et là, j'ai négocié avec moi toute la semaine de est-ce que je fais un live, est-ce que je fais pas de live. Et puis là, ben, regardez donc où nous sommes en live. Et je vais vous parler de ce que j'ai enseigné dans mon Zoom privé de Cœur conscient édition spéciale mardi soir. Et je vais vous faire une invitation très, très, très importante. Et
je vais vous demander d'inviter aussi le plus de gens possible à ce à quoi je vous invite ce soir. Alors, on va commencer par le commencement. Vous savez, et vous réalisez, qu'il se passe des petites choses dans notre beau monde présentement. Ces choses nous demandent de nous informer, mais pas nécessairement où est-ce qu'on a tendance à s'informer d'habitude. Et ce soir, ben, je vais éviter de dire certains termes et je vais rester vaguelette et vous essayerez de lire entre les lignes parce que présentement, on vit à une époque où on n'est pas nécessairement capable de dire tout ce qu'on veut et que ça soit respecté. Alors, cette époque-là nous demande de faire des entourloupes et de faire des petits mouvements de côté. Et c'est ce que je vais faire avec vous ce soir jusqu'à un certain point, autant que c'est possible. Donc, je vous parle ce soir d'égrégore et je vous parle ce soir de ligne de temps. Je vous ai déjà parlé d'égrégore, je vous ai déjà parlé de ligne de temps, mais et si vous êtes avec moi pour une des premières fois, si vous n'avez pas entendu parler d'égrégore et de ligne de temps, allez défiler dans mes vidéos que je fais depuis des années. Il y en a des vidéos de Louisanne, et des fois quand je regarde toutes les vidéos que j'ai faites, je me dis « My God, ma fille, t'en as fait des vidéos toi depuis 3 ans ». Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé. Égrégore, ligne de temps. Ce soir, mon intention n'est pas nécessairement de tout vous expliquer les détails de ça. Je vais vous faire les grandes lignes, bien évidemment. Mais mon intention est de plus vous amener dans une direction très, 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 très précise. Donc, la question que je vous pose, et je commence par une question ce soir, vous pourrez venir me poser des questions, vous pourrez venir jaser avec moi, je vais venir vous attraper ici, sur le côté des commentaires dès que c'est possible. Pardon. J'ai bien fait de pas mettre ma chatte dehors. Finalement, elle est couchée sur mon imprimante. Là, puis elle me fait une belle vibration de ronron très, très, très agréable. Et j'ai de la misère avec mes cheveux ce soir. C'est peut-être parce que je vous ai dit que j'avais de la boue dans le toupette. Mon toupette l'a pris personnel. Donc, on y va. Alors, je vous pose des questions. Qu'avez-vous envie de créer? C'est ma question pour vous ce soir. Qu'avez-vous envie de créer à partir de maintenant pour la suite de cette histoire que nous vivons? Parce que là, la balle est rendue dans notre camp. Je vous l'ai dit dans les dernières semaines. Je vous ai dit que les trompettes sonnaient toup, 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 toup. Je vous l'ai fait par l'oreille, vous souvenez-vous? Je vous ai dit qu'il était temps. Je vous ai dit qu'il était temps de s'éveiller, qu'il était temps de bouger. Et puis là, ben, je viens ce soir vous poser des questions peut-être encore un peu plus précises. Donc, je vous demande de vous demander, à partir de maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de créer pour la suite de cette histoire que nous vivons. Et là, je crois que je crois le mieux de tous, peut-être même qu'on nous invite présentement ou que je vous invite présentement à sortir de votre histoire privée. Parce que souvent, l'histoire qui nous intéresse le plus est notre histoire privée. On s'intéresse aux facettes de notre vie qui vont bien, on s'intéresse aux facettes de nos vies qui vont moins bien, on travaille sur soi, on fait des prises de conscience, on fait des lectures et tout ça est parfaitement honorable et magnifique. Je le fais, vous le faites sûrement, et là, c'est vraiment très bien de faire ça. Mais je crois que présentement, il va être intéressant de sortir de notre histoire privée pour rentrer dans notre histoire communautaire. Parce que c'est à ce niveau-là que ça commence à jouer solide. Donc, je vais vous inviter ce soir, peut-être à commencer à sortir de votre histoire et de vous demander qu'est-ce que vous avez envie de choisir pour la suite des choses, pour notre belle planète et pour ses habitants qui y vivent. C'est une question importante. Et vous avez besoin d'y répondre pour vous, pour votre vie privée et pour notre vie commune. On est rendu là.
Et ce que je viens vous demander aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez si on se mettait tous ensemble afin de créer une ligne de temps magnifique où notre futur le plus glorieux s'exprimerait? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'on va se s'unir, qu'on va le faire ensemble, qu'on va le déterminer ensemble et qu'ensuite on va le créer ensemble. J'ai comme l'élan de créer un futur glorieux assez précis dans lequel qu'on va co-créer ensemble et sur lequel après ça on va œuvrer pour le manifester. Parce que mon futur glorieux à moi est peut-être un peu différent de celui d'à côté et du vôtre et de chacun d'entre nous. Et là, je lis beaucoup de paix, amour, paix, liberté, respect, amour. Et c'est magnifique. La vie tout court. Oui, comme je vous ai dit la semaine dernière, allumez vos lumières. Allumez nos lumières. Ça, c'est une excellente idée. Ça, Karine, par rapport à ce qu'on a besoin de faire pour soi, dans notre vie, je dirais que présentement, la chose la plus importante est d'allumer notre lumière. Ça, dans notre vie à nous, c'est la chose la plus importante. Mais un coup que notre lumière est allumée, alors on contribue à créer autre chose, c'est évident. Mais ce soir, je veux vous amener un pas plus loin. Oui, allumons notre lumière. Œuvrons en nous. Gardons notre paix. Gardons notre joie. Gardons tout ça. Mais ce que j'ai envie de créer avec vous à partir de ce soir, c'est une conception, je dirais le plus précis possible, du futur glorieux dans lequel nous voulons nous manifester. Et que ensuite, moi je ramasse toutes les informations, que je viens la mettre comme sur un texte, disons, le plus bref possible, genre une page maximum, et que je distribue ensuite ce plan et que nous puissions ensuite le créer. Et je vais vous dire comment on va le créer. Et là, ben, ça va être beaucoup, beaucoup plus puissant que si Karine pense à son futur idéal, que Hélène pense à son futur idéal, que Valérie pense à son futur idéal, que Patricia pense à son futur idéal et que, ben, voyez-vous, que Louisanne pense à son futur idéal. Si on faisait un dénominateur commun, puis moi, j'aime faire des dénominateurs communs. Souvent, quand j'enseigne, je vais chercher beaucoup, beaucoup de ressources, je vais beaucoup, beaucoup apprendre. Et ce qui va me rester, ce sont les dénominateurs communs. Parce que je me suis dit, si on a dit ça, des dizaines de fois, pour moi, ça commence à avoir beaucoup plus de crédibilité. Alors, j'ai envie qu'on puisse co-créer ensemble un futur glorieux, mais très précis, le plus précis possible. Et ça, ben, ça va nous demander de nous engager à le faire tous les jours. Vous savez que j'ai fait danser notre liberté et que je demande aux gens de danser au moins une fois par jour. Il y en a qui dansent à 8 heures le matin, il y en a qui dansent à 8 heures le soir, et il y en a qui dansent n'importe quelle heure dans la journée. Et quand on est sur dansant notre liberté, ben on vibre notre lumière, hein? On allume notre lumière. On porte peut-être aussi ce qu'on veut manifester. Mais là, j'ai envie de mettre cette manifestation encore plus précise et j'ai envie qu'on se donne le mandat, qu'on se donne la responsabilité de venir le faire à tous les jours, concrètement. Alors, on continue. Pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce qu'on vit dans de la plasticine cosmique. Ça fonctionne parce que nous sommes capables de créer nos futurs les plus glorieux. Ça fonctionne parce que quand vous allez à Montréal, ou moi quand je vais à Montréal, ou vous quand vous allez où vous allez, et que vous décidez de commander une place de stationnement, comme par hasard, les lignes de temps s'organisent et très souvent, la place de stationnement est là. Comprenez-vous comment c'est compliqué? Pas compliqué, complexe d'organiser que moi qui pars, disons, de Saint-Hilaire et qui s'en va à Montréal, trafic, pas de trafic, lumière, pas de...
quand est-ce que je vais vraiment arriver à cet endroit-là? Et que parce que j'ai commandé un stationnement, le stationnement est là. Donc, si moi, je suis capable de commander un stationnement et que vous êtes capable de commander des stationnements ou d'autres choses, nous sommes tous ensemble dans un scénario le plus précis possible de futur glorieux. On est capable de venir le manifester. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on est capable de faire un stationnement, on est capable de faire un futur glorieux, là. Hein? Je dirais, puis là, on va être beaucoup. Là, présentement, en ligne, on est 243. Il y en a tout le temps beaucoup qui le réécoutent. Et ça s'en va sur YouTube. Et vous allez en parler. Et là, ben, ça va être extraordinaire. Et je vais vous demander de venir sur la page de S'élever ensemble. Me partager vos textes de futurs glorieux. Venez sur ce groupe privé qui s'appelle S'élever ensemble et venez partager vos futurs glorieux. Et moi, ensuite, je m'engage à faire le tri dans vos futurs glorieux le plus précis possible. Je vais vous donner des exemples ce soir et d'en composer un scénario. Et ensuite, je vais le poster sur la page S'élever ensemble. Et là, ben, on va pouvoir ensuite chacun l'avoir. Et on va être capable de le co-créer, ma belle Réjeanne, comme tu le dis. On est de puissants co-créateurs. Donc, si on peut un stationnement, ben, on est capable de faire bien plus grand que ça parce qu'on va le faire tout le monde ensemble. Et c'est pas de la science-fiction, là. C'est pas de la pensée magique, ce que je vous propose, ce que je viens vous proposer ce soir. Ce que je viens vous proposer ce soir, c'est quelque chose que la science a commencé à trouver. La physique quantique l'a prouvé. Il y a des physiciens qui l'ont prouvé. J'ai lu, moi, des livres de Gérard Garnier-Mallet où il nous parle du double qui vit dans notre futur et que si on se connecte avec notre double, le double peut, de notre futur, nous indiquer quoi faire dans notre présent pour avoir le meilleur futur. C'est comme ça, on vit à cette époque merveilleuse et magique où ces connaissances sont maintenant diffusées. Je vous ferai un live juste sur le double et Gérard Garnier-Mallet, vous allez triper. Je vous donnerai des exemples, je vais venir vous le partager le plus possible. Mais pour ce soir, je ne vous donne pas de détails sur ça parce que mon but est de faire un live bref et une invitation percutante. Toutes les lignes de temps coexistent, une à côté des autres. Notre futur est pas loin de notre passé, et pas loin de notre présent. Ces lignes de temps-là coexistent une à côté des autres, et on crée des volutes. On crée de la réalité par nos pensées, je vous l'ai dit souvent, par nos actions. Et là, ben, c'est une belle ligne de temps, extraordinairement lumineuse et souveraine à laquelle je vous invite. Qu'on puisse vraiment venir créer ça dans toutes nos puissances. Nos futurs probables sont déjà créés. Comprenez-vous? Ils existent déjà. Les lignes de nos futurs existent déjà. Ce qu'on va faire en co-créant ensemble le futur le plus tripatif qu'on veut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer dans la réelle réalité cette ligne qui est maintenant comme un potentiel. Tous nos futurs sont maintenant des potentiels qui vont être activés selon où la masse met son attention. C'est comme ça que ça marche. Où on met notre attention, où on pose notre regard, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que nous sommes des bolides supersoniques, mais on a besoin d'apprendre à conduire notre bolide. Et là, ce soir, je vais vous donner des clés pour commencer à conduire votre bolide le plus possible. Parce qu'avec la situation que nous vivons, c'est notre plus grande puissance présentement. Comme disait Karine tantôt, oui, allume ta lumière. On allume notre lumière. Ça, c'est un. OK? Donc, on y va. Un, on allume notre lumière. Deux, on porte et on imagine
avec le plus de détails possible le futur glorieux dans lequel on veut vivre. Et quand je dis le plus de détails possible, là, c'est on imagine quelle sorte d'auto on veut, quelle sorte d'architecture on veut, quelle sorte de structure sociale on veut. On y va, là. On joue, là. On joue solidement. Parce que moi, je vous dirais, selon moi, que dire « je veux la paix et la liberté », ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a trop de nuances possibles, puis il y a trop de différences possibles. Si on veut créer quelque chose de percutant, il faut qu'on soit extrêmement précis. Moi, je le dis à mes étudiants en kiné, si vous n'êtes pas précise, les filles, quand vous allez chercher, vous poser votre question, vous allez avoir une réponse boboche. C'est la précision. Quand j'étudiais avec le docteur Saba, il nous disait « soyez des lasers », puis nous, il criait par la tête. Donc, je vous invite à devenir des lasers de ce que vous voulez créer, de venir me l'écrire sur la page « S'élever ensemble ». Je ne sais pas si tout le monde ici connaît cette page-là, mais c'est une page que j'ai créée il y a 2-3 ans. C'est facile à trouver. « S'élever ensemble ». Par Louisanne. Je vous ferai un ajout là, en haut, puis je vous le mettrai. Vous pourrez cliquer dessus et venir vous inscrire sur cette page-là. Donc, on y va, on va se mettre à créer ça. Mais, et pour créer ça, on a besoin de se détacher, de se débrancher de la ligne présente. La ligne présente, là, est quelque chose. La ligne présente, elle prend de la place, elle est lourde, elle est limitante, elle est contraignante, elle est comme ça, la ligne présente. C'est sûr qu'il y en a parmi vous qui vont me dire « ben non, moi je le vis très bien et je suis heureuse pour vous, je le vis quand même très bien, je passe des très belles journées, j'ai du plaisir ». Mais quand je sors de ma petite pièce de théâtre à moi et que je regarde la grande pièce de théâtre, je me dis « il est temps qu'on s'unisse ». Pour co-créer la ligne de temps qu'on veut le mieux, le plus. Donc, pour créer une nouvelle ligne, je vais vous inviter dans un premier temps à vous débrancher de celle-ci. Et là, je vais vous ramener au point zéro. Dans la ligne de temps dans laquelle nous sommes, il y a un puissant et gigantesque égrégore. Si vous êtes avec moi pour la première fois, je ne sais pas si vous le savez. Ah, et bon, Patrice l'a mis le lien pour le groupe S'élever ensemble. Merci beaucoup, Patrice. Je viens de le voir apparaître dans les commentaires. Donc, vous pourrez cliquer sur ça puis tout de suite aller demander d'être admis si vous ne l'êtes déjà. Donc, il y a présentement sur Terre un puissant, gigantesque égrégore. Un égrégore, je vous le dis très rapidement parce que je l'ai expliqué souvent, c'est la somme des émotions et des formes pensées d'un groupe donné. Plus il y a de gens qui pensent à la même chose, qui ressentent la même chose, plus l'égrégore qui se fait est gros. Donc, vous pouvez vous imaginer l'égrégore qu'on a sur Terre présentement. Et je ne vais pas vous le nommer. Hein? Je vais vous demander de vous le nommer à vous-même. Parce qu'il peut s'appeler des affaires qu'on sait, puis que je sais que moi, présentement, je ne peux pas le nommer. Donc, nommer cet égrégore-là, et je vais vous demander de vous débrancher de cet égrégore-là, chacun, personnellement. Une ici qui s'appelle ma souris réflexothérapeute me dit qu'elle s'est débranchée, mais là, ce que je vous demande, c'est pas juste de vous débrancher de la télé et des nouvelles, je vous demande de vous débrancher de l'égrégore. L'égrégore, c'est une somme énergétique qui se connecte avec vous dans un filet, dans une corde énergétique. Donc, disons que ça, c'est votre corps, mais l'égrégore, il est collé sur vous comme ça. Puis ça, c'est l'égrégore. Disons, tout mon corps, c'est l'égrégore, et ça, c'est vous. Alors, ce que je vais vous demander à partir de maintenant, c'est de vous déconnecter de l'égrégore. C'est facile, il suffit de le choisir. Donc, vous pouvez choisir de vous déconnecter de l'égrégore qu'il y a sur Terre présentement. Dans un premier temps. Donc là, je vous fais une étape à la fois. Une étape à la fois. Alors, on va allumer notre lumière, qui est l'étape 1. On va commencer à penser et à ressentir le monde qu'on veut. 2, on va sortir de la ligne de temps du présent
Et pour sortir de cette ligne de temps-là, dans un premier temps, je vous demande de vous décrocher de l'égrégore. Vous pouvez le faire là comme un samouraï là, qui se coupe comme ça, là, puis que pouf, vous pouvez le faire comme ça, se sortir d'un égrégore. Ça peut faire vraiment, vraiment la différence. Là, je vois plein d'intrus hein, qui viennent sur le groupe. Et j'essaie de pas trop les regarder parce que, mon Dieu, ils sont pénibles. Et ces gens-là, je vais essayer de voir ici si je peux les bloquer. Je vais voir. Voyez-vous le genre de truc que j'essaie de bloquer? Je vais juste faire ça de même. Donc, je vais mettre un « c'est déjà fait » ici. Ça va être plus intéressant. Vous donnez-moi deux minutes, je vais juste tenter de faire ça. Parce que c'est vraiment pénible. Donc, et c'est à cause de ce genre de truc-là que je décide, moi, de m'en aller de plus en plus sur une plateforme privée. Donc, on allume notre lumière. On crée le monde qu'on veut dans nos pensées le plus possible. Après ça, on sort de la ligne du présent en se déconnectant de l'égrégore. Vous pouvez là, aller dehors. Là, si vous faire un beau rituel de déconnexion d'égrégore, là, vous allez dehors. Vous sentez là comme cet immense égrégore qui enveloppe la Terre. Là, et vous tenez solidement debout et vous dites « J'ordonne de me détacher immédiatement de cet égrégore » et vous le nommez. Je ne le nomme pas présentement et j'ordonne de me détacher maintenant. Et là, faites un geste avec votre main, là, puis pouf, débranchez-vous. Comme on débranche une lampe d'une prise de courant. Débranchez-vous de l'égrégore présent. OK? Ça, c'est notre troisième étape. La quatrième étape, je vais vous demander de continuer de mettre cet égrégore au point zéro. Alors, j'ordonne que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique j'ordonne qu'à la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de l'égrégore donné, j'ordonne que cet égrégore soit mis au point zéro maintenant. Faites-moi ça, s'il vous plaît. Plus nous serons nombreux à mettre ça au point zéro, plus plusieurs personnes vont en bénéficier. Donc, un, vous vous déconnectez. Ensuite, vous le mettez au point zéro. Est-ce que tout le monde me suit? Je vais voir s'il y a des questions. Oui, Sylvie, je les ai vus et je les ai sortis. Oui, Nina, toi, tu le mets au point zéro depuis mardi. Oui, je l'avais enseigné sur le groupe. C'est un égrégore comme positif ou négatif. Alors, on se déconnecte de l'égrégore négatif présentement sur Terre. Alors, on se déconnecte soi-même et après, on le met au point zéro. Et vous voyez, hein, quand je fais le geste de me déconnecter de cet égrégore-là, je suis pas comme, s'il vous plaît, est-ce que je peux peut-être me déconnecter? Je fais, c'est fini. Bye. C'est fini. On se déconnecte. Peux-tu réécrire la phrase que nous pourrions la redire ensemble? Est-ce que quelqu'un pourrait l'écrire pour moi en même temps que je la redis? Oui, madame, dit Daniela, t'as compris, Antoine? J'adore ça. Oui, Sylvie, la douche le matin, c'est bon aussi. Ça nettoie surtout ton champ d'énergie, mais ça n'enlève pas la connexion avec l'égrégore, la douche. Alors, comment faire pour éviter de retomber dans cet égrégore? Claire, pour éviter de se reconnecter et choisir à quoi on pense. Choisir où on met notre attention. Choisir qu'est-ce qu'on dit de notre bouche. Donc, le plus de points zéro possible, le plus de bienveillance possible, le plus de haute fréquence possible. Et là, ça va faire la différence. Donc, la phrase que vous pourriez... Alors, la phrase pour le mettre au point zéro, c'est « j'ordonne ». Mais maintenant, « j'ordonne ». Avez-vous vu ça? « J'ordonne ». Et quand je dis « j'ordonne », je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans un live, mais c'est mon amie Caroline, qui est vraiment une connectée, qui m'a dit cet été, « Louisanne, peut-être que tu devrais choisir de dire « j'ordonne » au lieu de dire « je commande ». Et « j'ordonne », elle le fait genre « maintenant », « maintenant », les mains qui se tiennent, « maintenant »,« j'ordonne », « je mets de l'ordre », « donner de l'ordre », « j'ordonne »,
c'est donner de l'ordre. Et j'ordonne, c'est aussi mettre de l'ordre. Voyez-vous comment c'est intéressant? Alors maintenant, moi, je dis j'ordonne. Alors, je dis maintenant, j'ordonne que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de cet égrégore s'installe maintenant. J'ordonne de mettre cet égrégore au point zéro maintenant. Voyez-vous? Alors, Patricia l'a écrit. Alors, vous pourrez aller le voir dans les commentaires. Donc, ça, c'est notre étape. Je suis en train de vous faire un plan de match. Là. L'étape 1, allume. 2, crée. 3, sortir de la ligne de temps en se déconnectant de l'égrégore. Et 4, c'est on met l'égrégore au point zéro. Donc, est-ce que jusqu'à date, ça va bien? Ça va bien? Vous me suivez? Oui, OK, ça a l'air d'être beau. C'est super. Et là, on a la paix dans les commentaires. Ça fait du bien. Donc, et là, ben, le futur, là, que vous allez venir m'écrire sur S'élever ensemble et que je vais faire une feuille. Là. Je ne sais pas trop comment je vais vous faire ça, mais je vais vous faire ça. Ben, ce futur-là, je veux que vous me l'écriviez dans le plus de détails possible, mais aussi de la façon la plus brève possible. Donc, prenez le temps, là, prenez le temps pendant quelques jours. Pas trop longtemps. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, prenez 24 heures. Et après ça, venez m'écrire un texte, là, tu sais, comme genre de 10 lignes maximum avec ce qui est pour vous essentiellement important. Je vais faire la somme de tout ça la semaine prochaine quand j'aurai fini ma première cohorte de kiné. Donc, je ferai ça et je vous le retransférerai et je viendrai vous en parler dans un live, évidemment. Ça va me faire beaucoup, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, les détails de ce que vous voulez installer. Les odeurs de ce que vous voulez installer, les ressentis de ce que vous voulez installer, ce que vous voulez clairement voir se manifester, autant dans la planète que dans les relations, que dans comment vous voulez que ça se passe. Bon, Nadia, si tu as les oreilles qui bourdonnent, ça peut être différentes raisons, ça peut être le taux vibratoire, le taux vibratoire présentement fluctue beaucoup et il a tendance à être de plus en plus haut. Moi, je dors moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant et j'ai plus d'énergie qu'avant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge dans l'énergie énormément présentement. Donc, tant mieux, je suis vraiment contente de ça. Très, très, très contente de ça. Donc, dites-vous que plus on sera à construire ça, ce scénario de futur activé, plus nous serons nombreux, ben plus ça sera extraordinaire. Donc, je vous invite vraiment à le cogiter puis à le placer bien plus loin que je veux la paix et l'amour. Et moi, je crois que présentement, la paix et l'amour sont très bien. Jamais je vais chialer là-dessus. On a besoin de quelque chose de plus précis. Vraiment plus précis. Et on a besoin de visualiser et de ressentir avec vraiment puissance que les mesures se lèvent. Que ce qui nous se lève. Que on sort. Qu'on voit les gens. Qu'on fait ce qu'on a besoin de faire. On a besoin de faire ça de la façon la plus précise possible, vraiment. Et plus nous serons à le faire, je suis en train de encore faire un petit peu de ménage ici, plus nous serons nombreux à le faire, ben plus ça va être efficace. Dites-vous que les fréquences, comme je viens de vous le dire par rapport à mes heures de sommeil, les fréquences nous supportent présentement. Les fréquences nous supportent. Donc, prenez cette vague-là de support et venez ressentir le plus possible à quel point ça peut être facile, à quel point ça peut être fluide et surtout à quel point ça peut être rapide. Ça va le faire, là. La rapidité, c'est ce qu'on veut installer maintenant beaucoup, 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 beaucoup. Donc, alors on y va. Notre inconscient a été programmé hein, depuis des dizaines d'années par les médias, la publicité, par les films qu'on regarde, les émissions qu'on regarde. On a été préparé d'une certaine façon à vivre ce qu'on vit là. Et
il est temps de se déprogrammer. Je le dis depuis longtemps, il est temps de sortir de notre hypnose collective. Il est temps de se mettre les yeux vis-à-vis les trous. Hein, un de mes amis me dit souvent que ceux qui ont des yeux voient et que ceux qui ont des oreilles entendent. Il est temps de voir et d'entendre. C'est le temps là, de voir et d'entendre. Alors, dites-vous qu'on a été programmé et dites-vous que là, ben, c'est le temps. C'est le temps vraiment de se mettre ensemble et de co-créer ce monde magnifique qui est juste là, là. Une ligne de temps qui vit juste une à côté des autres. Donc, il est temps de venir tout co-créer ça. Vous allez voir une chatte volante passer. Je n'ai pas réussi à la sortir. Donc, je vais voir s'il y a des questions sur notre plan de match. Hein, dites-vous là que c'est un plan de match qui est quand même simple. Un, on allume notre lumière. Deux, on commence à co-créer le monde vraiment le plus possible. Ensuite, on se débranche des lignes de temps. Et ça, ben, ça fait vraiment la différence. On se débranche des lignes de temps. Et après ça, on met l'égrégore au point zéro. Et on va en ajouter une étape. Je viens d'avoir une idée. On va se créer un égrégore qui est peut-être déjà existant, mais du moins, on pourrait choisir de s'y connecter pour être encore plus reliés les uns avec les autres. On pourrait choisir de se connecter à l'égrégore, comment qu'on pourrait l'appeler, le nouvel égrégore sur lequel on voudrait se connecter. On pourrait l'appeler, là, si vous avez des suggestions, vous pouvez venir, ça serait vraiment le fun que vous veniez me dire qu'est-ce que vous voudriez avoir comme thème, le nom de l'égrégore sur lequel on va pouvoir se connecter. On pourrait se connecter sur l'égrégore de l'expansion, de la liberté. Bon, Caroline a dit de la nouvelle terre, de la renaissance, du nouveau monde. Comment on pourrait appeler ça? Je vais attendre là, que vos suggestions continuent de rentrer. Et là, après ça, je vais voir. L'égrégore, bon, transformation, liberté, étincelle, nouveau monde, joie de vivre, terre, mer. Attendez. L'égrégore qui nous veut du bien. L'égrégore de l'étoile, du divin. Ça prend quelque chose de plus précis que ça. Les égrégores, là, s'appellent de la fréquence la plus haute. Moi, je dirais, liberté, c'est certainement un très, très, très bon nom présentement. Parce que présentement, c'est ça qui est en jeu. Donc, l'égrégore de la liberté d'être. Avec amour, dans la paix. L'égrégore de la liberté d'être dans la paix, je vais le tester. OK, je le teste. Je vais tester celui-là. Après ça, on verra. Liberté d'être dans la paix, c'est un bon. À combien sur 10, c'est le bon? 3, 4, 5 sur 10, il y en a un meilleur que ça. OK, l'égrégore... Oh oui, il y a quelqu'un qui vient dire expansion. J'ai bien aimé ça. L'égrégore d'expansion... De nos pleins pouvoirs. Hein, je dirais pas potentiel. Non. Je veux dire pouvoir. OK. Se connecter à l'égrégore de l'activation et de la manifestation de nos pleins pouvoirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Activation. L'égrégore de l'activation et de l'expression de notre plein pouvoir. D'être. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben parce que on est déjà Marlène, on est déjà, comment je veux dire ça, on est automatiquement toujours connecté à des égrégores. C'est la loi énergétique sur Terre. Donc, choisissons de se connecter à un égrégore de notre choix, tripatif et extraordinaire, et plus on sera nombreux à se connecter dans cet égrégore-là. Alors, il a testé à 10 sur 10. Alors, je ne sais pas si vous l'aimez, là, mais c'est l'égrégore choisi pour ce soir, qui est l'égrégore de l'activation
l'expression de notre plein pouvoir d'être. La, on pourrait dire la paix, la joie, mais d'être. Tu sais, moi, quand je dis être, là, je dis reconnexion à l'infini pouvoir de notre être, de notre esprit. Hein? Souvent, quand je suis plus dans les formations où on parle de l'âme, je vais parler de l'esprit. Donc, activation de l'expression. Je vais retester quelque chose. Activation de l'expression de notre plein, du plein pouvoir de notre esprit ou d'être. Un des deux, c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Karen Martineau dit, c'est quoi les lignes de temps? Et écoute, ma belle Karen, peut-être que tu vas pouvoir revenir au début du live et écouter. J'ai fait beaucoup, beaucoup de lives sur la physique quantique, les lignes de temps. Sont tous là dans la section vidéo sur Facebook ou dans mon compte YouTube. Tu pourras aller écouter, tu vas avoir des heures et des heures de plaisir. Donc, oui, la souveraineté, Ginette Hamel, c'est aussi un bon... mais ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais ça qu'on s'entende pour un titre, pour qu'on se relie dans cette affaire-là, hop, puis qu'on la crée ensemble. OK, activer l'expression. OK, on va essayer de... OK, moi, je joue avec vous, là, puis j'aime ça. Donc, Ginette a dit souveraineté. Aline, bon, merci Aline, tu as écrit ce que j'avais testé, qui est l'égrégore d'activation. Activation de l'expression. Parce que activer, c'est une chose, l'exprimer, c'est deux choses. Donc, l'égrégore de l'activation de l'expression du plein pouvoir de notre esprit ou de notre être, Patrice, c'est ça. Si on met, est-ce qu'on a besoin d'ajouter souveraineté? Non. On n'a pas besoin d'ajouter souveraineté parce que nous sommes des êtres souverains. Donc, on n'a pas besoin de l'activer. Si on dit plein pouvoir d'être, c'est souverain, ça, automatique. Plein pouvoir de notre esprit, c'est souverain, automatique. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter. Moi, j'éviterais les polarisations comme d'être de lumière. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans des lives depuis 2 ans. J'essaie de sortir des thèmes qui opposent la dualité d'ombre et lumière. C'est pour ça que j'aime mieux beaucoup, beaucoup travailler avec le point zéro et venir travailler à se connecter à notre esprit, à notre être souverain. J'aime beaucoup, beaucoup plus ça. C'est comme si tout ce qui est les notions de lumière, c'est pas mauvais, hein, c'est très bon. Mais dans les lois de la physique quantique, on va aller chercher la loi du balancier. Et quand on va être trop polarisé dans une chose, on va automatiquement attirer le contraire. Donc, si notre objectif est de faire le ménage de qu'est-ce qui se passe présentement, le but est de pas mettre plus de dualité, de polarisation, c'est de mettre le plus de points zéro possible et d'acceptation pour que ça décolle, comprenez-vous, au lieu d'aller activer encore quelque chose d'encore plus. Alors, voilà. Nous avons beaucoup, beaucoup de visiteurs ce soir et je suis, vous comprenez, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une communauté privée. Et je vais terminer en vous parlant de la communauté privée. Elle s'en vient la semaine prochaine. Le nom est trouvé. Et là, vous allez, je vais vous en parler dans un live la semaine prochaine. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans cette communauté privée, dans une salle Zoom où il n'y aura pas de visite de toutes sortes, de tout genre, et où je vais pouvoir venir vous enseigner des outils que j'enseigne dans ma grande formation, mais des outils très puissants dont vous pourriez bénéficier, où je vais pouvoir venir faire des soins de groupe, où je vais pouvoir faire des hypnoses de groupe, ou parce que là, je peux pas faire ça sur Facebook. Donc, mon intention est de venir créer un environnement de sécurité et de haute fréquence pour qu'on puisse venir échanger ensemble. Je vais vous donner tous les détails la semaine prochaine. Le logo est en train de se faire, le nom est choisi, la formule est choisie. C'est presque prêt. Donc, c'est la semaine prochaine que je devrais être capable de faire
c'est parti mon kiki, et que je puisse vous inviter sur ma nouvelle plateforme et avec dans ma communauté, dans la communauté, ça sera pas ma communauté, ça va être notre communauté privée où on va avoir la paix. Et c'est très important présentement d'avoir la paix. Donc, venez jouer avec moi. Mon invitation est lancée. Je parle depuis 45 minutes, moi qui ne voulais parler que 30 minutes. Et je vous ai donné mes plans. Venez sur la page S'élever ensemble. Venez m'exprimer en le plus de détails possible ce que vous voulez voir de l'autre côté des choses. Et le plus rapidement possible, je vous reviens et nous allons le porter quotidiennement tous ensemble en dansant en même temps notre liberté et ça sera extraordinaire. Alors, voici l'idée qui est venue aujourd'hui. Et mes idées, je les honore et je les mets en action. C'est mon tempérament. Donc, voilà pourquoi j'étais avec vous en live ce soir. Donc, je vous salue tout le monde. Merci, merci, merci d'être venu encore une fois vous élever, dans le fond, avec nous autres. C'est ça qu'on est tous en train de faire. On est en train de s'élever ensemble. Et je crois que le petit mode d'emploi que je vous ai donné ce soir va propulser la chose encore plus, 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 plus. Partagez le live. Parlez à vos amis de ces 5 étapes. Attendez, oui, 5 étapes. Parlez-en. Et je viendrai les écrire sur le groupe S'élever ensemble. Et on se retrouve très bientôt pour une autre belle connexion et monter nos fréquences le plus possible. Donc, allumez votre lumière. Moi, j'allume la mienne. Et plus nos lumières vont être allumées, plus on va se voir de loin, plus on va se reconnaître et plus on va être capable de vraiment créer la nouvelle étape, qui est déjà de toute façon juste là. Elle est déjà créée. Dans le fond, je vais le dire différemment, ça va nous aider à se connecter à la prochaine étape le plus rapidement possible. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis vraiment à tout bientôt. À mes braves de la France, je vous dis bonne nuit, il est temps. Et on se retrouve vraiment bientôt. Bye tout le monde. Bye, bye, bye. On allume nos lumières. Bye. Bye tout le monde.